C'est au domaine viticole Clermoreau, à Château-Thébault, en Loire-Atlantique, que s'est tenu les 12 et 13 mars 2016 un salon au cœur du domaine, baptisé le Chai au féminin. Une sorte de salon des villes à la campagne. Le Chai au féminin, c'est un salon sur 2 jours, donc aujourd'hui samedi, demain dimanche, avec en fait un nombre certains d'exposants et d'exposantes qui présentent des produits alliant bien-être, gourmandise, shopping. Et puis un petit peu de rigolade aussi, donc un petit cours de remise en forme en fin d'après-midi, un défilé de mode avec d'ailleurs un très très beau mannequin qui n'est autre que Morgane Chardonnier. Alors on présente du produit breton, puisque tous nos produits sont fabriqués exclusivement en Bretagne. Il s'agit de produits imprimés, donc ça va être par exemple des cartes sur toile, ça peut être des photos, des images, des coupons de tissu, des magnettes, des stickers. Et à savoir surtout que tout est personnalisable, donc je peux aussi imprimer avec une photo qu'on me donne, un dessin, des choses comme ça. Avec ce safran-là, qui est une épice, il faut le dire, c'est l'épice de la joie, nous proposons des confitures, des chutneys, des sirops et puis des confits. Le safran, ce qu'il faut savoir, c'est un exauceur de goût. Donc il va dans les préparations sublimer les parfums. Il est utilisé depuis très longtemps. Hein. On trouve des traces dans la Grèce antique hein, et ils en connaissaient tous les bienfaits. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient apaiser les enfants et les faire dormir d'une nuit beaucoup plus calme. Ils savaient aussi que ça avait des bienfaits sur le cœur, sur la circulation sanguine, sur le système nerveux central. Donc, la dépression. Alors, c'est des produits qui viennent du Maroc, faits par des créateurs, en tout cas, tout ce qui est textile et sac à main, c'est des artisans designers marocains. Et puis, la partie cosmétique, c'est que des produits à base d'huile d'argan et de figues de barbarie et de rassoul, donc traditionnel marocain. Voilà. Donc, l'huile d'argan est riche en oligo-éléments, donc on en fait des masques et puis ça... évite les rides, ça enlève les cicatrices, ça enlève les traces d'acné. Voilà, c'est assez intéressant. Et puis l'huile de figue de barbarie, elle est beaucoup plus riche en oligo-éléments que l'huile d'argan. Elle est à 65%, l'huile d'argan est à 33%. Et du coup, on peut faire des petits masques flash à 15 minutes. On a le même effet qu'une nuit avec de l'huile d'argan. Mon stand, c'est un stand de porcelaine froide. Voilà, c'est une passion. Tout d'abord, donc la porcelaine froide, c'est avant tout une matière 100% végétale. Dedans, on y trouve de la maïzena, de la colle blanche, du vinaigre, de l'huile. C'est une vraie recette de cuisine. Cette matière, eh bien, je la fabrique, je la transforme, et je la transforme à la fois en bijoux et en tableau. Voilà. Mon univers est floral. La collection Elora, c'est des vêtements qui sont tendance, toujours avec des particularités qu'on ne retrouve pas, des petits clous ou des belles broderies. Beaucoup cet été, il va y avoir beaucoup de dentelles par exemple. Il y aura aussi les coloris tendances de la saison, le rouge et le orange, qu'on aura le plaisir aussi de découvrir. Et ces vêtements, c'est vraiment de la belle qualité, mais aussi un confort incroyable qu'on ne trouve pas ailleurs. 2 jours de salon avec coiffeur, réflexologie plantaire, massage assis ou encore des poses savoureuses. Mais un salon qui a aussi pour objectif de parler du vin et des vignerons. L'idée est aussi, bien sûr, de montrer un petit peu ce que c'est que le travail du vigneron, parce qu'à la base, avec Edouard, on s'est rencontrés comme ça. Les vignerons ont du mal un peu à se faire connaître et reconnaître. Le muscadet est un vrai vin qui a sa place sur les plus grandes tables. Donc voilà, l'idée est vraiment d'allier féminité avec le vin, avec tout ce que le lieu de travail du vigneron nous apporte comme accueil et comme bien-être.